Une fois que les récompenses pour les utilisateurs qui reçoivent la publicité sont terminées, en ce temps-là, sur community.brave.com, on va voir un autre statut à la place. Puis là, maintenant, c'est pour les créateurs qui vont recevoir leur argent. Donc, que ce soit des contributions ponctuelles, mensuelles, automatiques, c'est leur tour. Alors, dès que vous voyez cette page-là, si vous n'êtes pas un créateur, mais que vous avez tout simplement regardé les publicités et vous les avez mis dans votre compte, Gemini ou Uphold, ben, vous savez que tout est transféré. Donc maintenant, si vous allez dans votre compte, comme moi je vois que j'ai eu 11 dollars canadiens, je peux cliquer sur View My Portfolio. Et puis là, on voit que j'ai tout en bat. Donc ce mois-ci, j'ai reçu 8,4846 bat. Puis ça représente à peu près présentement 11,78 canadiens, si on voit le prix unitaire pour un bat. Donc là, avec ça, on peut après ça soit les transférer à quelqu'un, ou bien on peut attendre, ou encore les prendre pour nous présentement. Donc si je veux les prendre, alors avant de pouvoir les retirer dans mon compte bancaire, il faut d'abord que je les convertisse en canadiens. Alors pour ça, je vais d'abord les vendre. Alors j'ai des bats que je veux vendre. Je vais faire action, sell, pour vendre. Là ici, ça dit que ma balance c'est tout ça. Alors je vais le copier, coller. Approximativement 11,77. Je peux regarder. Alors, je passe de ça. Ça me coûte 1,49 de frais canadiens. Et puis, je vais recevoir 10,23. Alors, je le confirme. C'est fait. Alors, maintenant, si je retourne dans mon portfolio. Ah, là, il me restait des petits points bat. J'attends le prochain mois pour l'avoir au complet, mais finalement il y avait un problème avec la limite avec les décimales. Et puis maintenant j'ai de l'argent canadien, 10 et 23. Alors maintenant ici je peux faire action withdraw pour retirer. Alors je choisis l'argent canadien, je continue. Destination, mon compte bancaire. Ensuite je peux dire le maximum. Je continue. Et ça confirme tout ça. Alors, il n'y a pas d'autres frais. Il y avait juste un frais de vente de points BAT en argent. Puis après ça, ben là, il n'y a plus d'autres frais. Ah, mais ça me dit qu'il faut que j'aille un minimum de 135 dollars canadiens. Wow! C'est ridicule.